pour me présenter Moumen Smihi, réalisateur, auteur de film. Je suis venu une première fois en Ille-et-Vilaine, c'était en 1971. J'ai présenté un court-métrage au premier festival international du film francophone de Dinard. Et j'avais été félicité parce que j'avais le court-métrage par rien de moins que Jacques Tati. Je ne l'ai jamais oublié. Jacques Tati m'avait offert quelques mètres de pellicule de trafic. Mais malheureusement, je ne pouvais pas avoir une caméra de 70 mm. Je ne les ai pas utilisées. 45 ans après, je reviens à Rennes montrer la trilogie de Tanger. Ce sont trois films sur une enfance et une jeunesse et une adolescence dans une famille musulmane du Maroc. Ça fait la minute, moi.